Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et avant toute chose, les résultats du concours de la semaine dernière se trouvent directement sur la vidéo de la semaine dernière et le commentaire du gagnant est épinglé. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué réservé aux membres premium. Vous allez voir un super tour, un excellent tour de petits paquets, relativement simple à réaliser mais très efficace. Comme d'habitude, la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent via la souscription Tuto Magie Premium. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur mon école de magie www.tutomagie.com. Référence magie sur internet. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour la démo. C'est parti pour la démonstration. Alors pour ce tour, on va utiliser que quelques cartes. Alors j'ai un premier set de cartes qui est constitué en fait de jokers. Alors ce sont des jokers pas tout à fait ordinaires, hein. Ce sont des jokers caméléons. Je vais les positionner juste ici, bien en vue. Et on va utiliser le deuxième set de cartes qui est juste ici, qui sont des cartes spéciales, ce sont des cartes blanches. Alors ce qui est intéressant avec ces cartes blanches, c'est que si je vais en mettre une ici et que je mets à la place un joker caméléon entre, comme ceci, si on laisse un petit peu agir en claquant des doigts, croyez-le ou non, mais le joker peut devenir entièrement blanc. Et oui, puisque c'est un caméléon, hein, ça paraît logique, hein, on va le mettre ici. On va prendre un deuxième joker caméléon qu'on insère à l'intérieur, si on claque des doigts, croyez-le ou non, comme tout à l'heure, il peut devenir entièrement blanc. Et du coup, on se retrouve maintenant avec que des cartes blanches. Hein. On fait la même chose, toujours avec un joker caméléon qu'on insère entre les cartes. Croyez-le ou non, en claquant des doigts, boum, on a maintenant que des cartes blanches. Et à chaque fois, ça fonctionne. Hein. C'est assez fou, mais ça marche. Pour le dernier, hein, toujours, hein, vous l'avez compris, je mets le joker caméléon entre les cartes blanches. Je laisse agir, croyez-le ou non. On n'a que des cartes blanches. Et maintenant, toutes les cartes sont devenues blanches, y compris les jokers caméléons. Mais comme je vous l'ai dit au départ, les jokers sont caméléons, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence de la carte de son choix. Et d'ailleurs, c'est connu, hein, que le joker, c'est n'importe quelle carte en réalité. Si on joue au poker, par exemple, on pourrait transformer nos jokers caméléons qui étaient devenus blancs, un joli carré d'as pour avoir la main gagnante, peut-être.